dire, en tout cas, est-ce que vous êtes déjà venu, tiens, à La Roche-sur-Yon? Pour ma part, oui, parce que je suis originaire d'une région voisine, de Charente. Mais je suis venu il y a un peu plus de 10 ans. Donc voilà, mais évidemment, c'est important de, pour nous de mettre en avant notre partenaire et de voir le soutien qu'il y a de la ville. Et la petite manifestation qui a été faite, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour notre sport et pour tout l'ensemble que cela peut gérer. Il est conscient d'être des modèles pour ces jeunes. On entend oui là dehors, tous les enfants qui nous attendent, donc on est pressé d'aller les rejoindre, ça fait toujours plaisir voilà, oui, de montrer qu'on est des beaux ambassadeurs de notre sport. Aujourd'hui, c'est à La Roche, mais bon, enfin, on essaye de montrer la plus belle image de nos disciplines et de l'athlétisme. Et c'est très bien qu'il y ait du monde aujourd'hui à La Roche-sur-Yon. Ça fait plaisir pour notre sport. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Alors, ils vont marcher, si j'ai bien compris, donc il y a combien d'équipes? Et bien, la prochaine. Il y a 7 équipes de 6, c'est ça? 7 équipes de 6, ils vont faire 200 mètres autour de la place. Donc il y a les grands également, qui sont là et qui ont froid. C'est un petit vent quand même. Ouais, tu m'attendais à cet accueil, non? Non, pas du tout, non, mais oui, c'est sympa. Il y a beaucoup, le petit est tout prêt, il m'a déjà dit, on va essayer de battre mon corps sur 200 mètres. Dans 5 ans, il va dire, on va pas plus. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il y a déjà le look et tout, donc il est parti. Et donc, alors, je vais prendre la parole une seconde. Ah ouais, écoutez, un petit peu de conseil. Alors les enfants, la marche. Donc le but de la marche, je pense que vous en faites tous en club, tout le temps, non? Tout le monde fait que de la marche ou vous faites un peu de tout? Un peu de tout, d'accord. Donc le but de la marche, c'est de ne pas courir. Donc, pas courir, ça veut dire qu'il faut toujours avoir un appui en contact avec le sol. Donc ça, c'est la première partie du règlement. Et la deuxième partie du règlement, c'est que, bon, là, on ne va pas le voir, mais normalement, je dois attaquer la jambe tendue. D'accord? Donc quand je viens poser mon pied au sol, mon talon au sol, je viens attaquer la jambe tendue. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner de ma part, c'est que en fait, quand on veut aller très vite, il faut relever le maximum possible sa pointe de pied vers soi. D'accord? Donc quand je vais attaquer la jambe tendue, parce qu'en fait, je vais mettre beaucoup d'élasticité dans mon pied et donc je vais créer une force et de cette force, je vais la transformer en vitesse pour pousser. D'accord? Donc, en fait, il faut essayer de marcher la pointe de pied, de le relever vers soi. On va avoir Max devant, là, le jambe antérieur. Ensuite, on va dérouler son pied et puis on va attaquer les jambes tendues derrière. On va dérouler son pied. On va attaquer les jambes tendues derrière. Et après, donc, le but, c'est de passer du petit pas, donc là je fais du tout petit pas, j'ai entendu, j'ai remonté, jusqu'à après, donc, on va augmenter son pas, on va augmenter son pas, et puis ensuite, après on va mettre les bras. Alors les bras c'est pareil, les bras en course, ils nous servent plutôt à nous équilibrer, où on est comme ça, et en marche athlétique, les bras, en fait, ils nous servent également à avancer. D'ailleurs, moi je vais vous dire un secret, après un 50 km marche, j'ai jamais mal aux jambes, j'ai mal aux bras. J'ai plus mal aux bras qu'aux jambes. Parce qu'en fait, on sert énormément des bras. Les bras, ils nous servent à pousser. Et donc, en fait, le bras, il fait ça en marche athlétique. Il va devant, il va derrière, il va le plus loin derrière, chercher le plus loin derrière et revenir devant, à hauteur de poitrine. Pas plus, parce que si je le fais monter plus son bras, je monte avec et je pars à la faute. D'accord? Donc on va faire une petite démonstration. On va faire 200 mètres tous ensemble. D'accord? J'allais rester derrière moi, enfin je vais essayer pas de me faire doubler par vous. Et puis, par vous, par quoi? Alors on part d'où? On part d'ici, on va par là? On est pas ici. On vient par là. J'essaie de suivre. Doucement, hein. Allez, vous venez tous avec moi? Ouais. Je viens à côté de moi. Ouais. T'as marché hier? D'accord. Et hier, t'as battu des records alors? D'accord. Donc vas-y, tu peux dire tes records. T'as fait combien sur 3 minutes? C'est par là-bas, hein? C'est par là-bas.
C'était 20 minutes. Combien en 20 minutes? 3110 minutes en 20 minutes, c'est bien. Très belle performance. Allez. C'est tout ce qu'il veut faire. Approuvé, approuvé par le bon ministre. Attention, hein. Voilà, allez, donc on va tous faire un petit tour de chauffe ensemble. C'est bien. Et on part par là. Allez, vous venez avec moi? Alors on serre bien les pieds. Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais pas. Oui. Voilà. Allez, allez, allez. C'est moi que je donne des notes là. Attention, je suis le juge là. Bien, c'est bien. Bravo, bravo. Ouais, super. Oui, là, il y a, oui, là, il y a, il y a course là. C'est une course là. Allez. Allez, vas-y, allez, vas-y. Allez, on finit ensemble. Yoann, ils sont tous devant là? Tous, oui. Oui, tous, oui, bah oui, je te rassure, ils sont tous devant. Ça va, le tour de la place Napoléon? Tu connais ouais, ça, non? Ça va. Je présente Napoléon, oui. On pourrait même faire une course, hein, ici. Bon, tiens, on va parler un entraîneur du club de la Roche, il doit être content de voir ça, la journée. Oui, surtout que Yoann, c'est lui qui a lancé le dynamisme de la marche au niveau national. Beaucoup de jeunes champions, en plus un champion qui est humble et qui aime faire partager sa passion. Je crois que les gamins vont bien les renseigner. C'est l'essentiel. Il ne se prend pas au sérieux, mais pourtant, qu'est-ce qu'il fait? C'est impressionnant, hein? Parce que pour un spécialiste... Tu vas faire un saut en avant. C'est comme le principe du saut en longueur. Tu vas pas faire du saut en longueur comme ça. Tu vas en avant, tu vois. Et bah la perche est pareil. Tu vas, tu engages tes épaules devant, avec tes bras devant toi. Ok ? Appliquer un coup, là, on sanctionne là. Ah, il y a une pénalité. Carton jaune. Il y a eu un carton jaune de distribuer s'il y a une course là. Ah non, mais attention, hein. Yoann, on t'a donné un carton jaune là. Yoann, Diniz, vous avez été sanctionné par ma madame. Mais toi, c'est un peu plus. Déjà, tu tombes sur ta fille. Il y a scandale, Yoann, on va te donner un carton. Et tu reprends les mêmes réglages. Ah, mais voilà, il y a un roule. Essaye de t'engager encore un peu plus avec tes épaules. Okay. Ça va? Et après, ah, il signe en même temps, il part, il fait des dédicaces. Ouais, bons élèves, ils écoutent. Ça, c'est essentiel, hein. Bon, on va te laisser coacher un petit peu, on regarde, on écoute. Allez, allez, attention, laissez passer. Bon, faut que tu continues. Voilà. Tu vois, vraiment, tout l'engagement avec tes épaules. En fait, quand j'ai l'impression que quand je regarde les épaules, j'arrive pas à monter les jambes. Le problème, oui. Il faut que d'abord, tu penses à... Ah, oui, il faut que tu penses d'abord à engager tes épaules avant de penser à tes jambes. Parce que c'est les épaules qui vont transmettre l'énergie dans la perche, qui va faire avancer, et ensuite, tu t'occupes de tes jambes. Voilà, bien réglissé. Ça marche? Oui. Les gars, après vous aurez des cartes avec des photos, ce sera mieux. Oui, ils vont vous donner des petits bouts de papier là. Là, c'est pas terrible. Hein. Non, mais il va pas jeter dans ma collection. Non, moi aussi. Moi, j'ai eu la vie de faire signer. Non, moi, je vais mettre le campagne. Moi, ça sera Nantes le 13 mars. C'est comment là? Comment?
peu loin. En plus j'ai gagné un portable. Ah ouais, t'es bien, il faut pas le poids, tu vois. T'es bien, il faut pas le poids. Allez, on rythme de la samba, c'est les accueillants pour les JO 2016. On espère avec les athlètes qui seront présents sur la période d'arche à l'eau. C'est bien parti, on est avec eux. Pour le téléphone, ça c'est... Vous avez choisi combien le plus en Il y a des codes, excusez-moi.